La coopération algéro-mauritanienne à l'honneur ce jeudi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune était à Tindouf, où il a appelé les opérateurs économiques mauritaniens à investir dans la zone franche et à tirer parti des exonérations fiscales et douanières en matière d'échanges commerciaux et industriels entre les deux pays. Et ce, après avoir procédé en compagnie de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une zone franche pour les échanges commerciaux et industriels entre les deux pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également donné cet après-midi à Tindouf avec son homologue mauritanien le coup d'envoi du projet de réalisation de la route stratégique reliant Tindouf en Algérie et Zouirat en Mauritanie, longue de 840 km. Auparavant, les dirigeants des deux pays ont co-présidé l'inauguration de deux postes frontaliers fixes entre l'Algérie et la Mauritanie. L'inauguration de ces deux postes frontaliers s'inscrit dans le cadre de la visite qu'effectue le président algérien dans la ville de Tindouf, où il a procédé avec son homologue mauritanien, je vous le rappelle, à la pose de la première pierre et à l'inauguration de plusieurs projets importants et stratégiques conjoints dans cette zone frontalière.